deutsch-französische Jugendwerk, arbeitet mit vielen Netzwerken zusammen, darunter die Vertreter der Regionen in Frankreich, die Correspondants Régionaux, und die Vertreter der Bundesländer in Deutschland. Und wir versammeln einmal im Jahr diese beiden Zielgruppen zu einer Tagung, damit wir ihnen Informationen geben und damit sie besser deutsch-französisch zusammenarbeiten. Und dieses Mal machen wir noch etwas Besonderes dazu, nämlich ein interkulturelles Training, damit beide besser das Partnerland verstehen. Alors la formation, c'est permettre à des correspondants français et à des correspondants allemands de mieux se connaître, de mieux connaître leur réalité de travail et de découvrir aussi la réalité culturelle des Français, la réalité culturelle des Allemands, de découvrir aussi tout ce qui est lié à la langue, c'est-à-dire à la découverte de la langue allemande ou de la langue française, pour être ensuite en mesure de bien conseiller des porteurs de projets, des jeunes, des associations, des comités de jumelage sur de l'animation linguistique, de l'animation culturelle et la pédagogie propre aux échanges franco-allemands. Ich bin zu Hause. Du verstehst das? Nein. On n'est pas de l'ordre de la découverte non plus, parce qu'on a tous nos expériences là-dedans, mais ce sont des méthodes qui sont très propres aux échanges interculturels. Certaines sont nouvelles, d'autres ont été un peu plus approfondies, ou peut-être un peu moins, donc c'est des choses qu'on se réapproprie très 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 facilement. Très facilement. Et puis le fait de les vivre également. Schön, wo seid ihr dieses Jahr? Schön, wo seid ihr dieses Jahr? In Fécamp, in der Normandie. Je suis ravie en effet que les délégués de l'OFAGE, tant français qu'allemands, aient organisé leur séminaire annuel ici à Fécamp. En effet, moi je suis je me sens très proche des Allemands. Je suis responsable pour le Parti Socialiste des relations avec le SPD au sein du Parlement européen. Et c'est vrai que je crois que nous avons beaucoup à gagner en renforçant nos relations et à faire en sorte que ce fameux couple franco-allemand, qui aujourd'hui a un peu de plomb dans l'aile, puisse se renouveler et faire en sorte de faire avancer l'Europe. Et c'est, l'OFAGE y participe à son niveau. Le projet européen est un peu en panne à ce stade. Et donc je leur ai dit que oui, il fallait que chacun, les uns et les autres, à notre niveau, nous fassions en sorte que tout ça reprenne bien, qu'ils en étaient un des piliers, mais qu'en même temps, il fallait bien voir dans quel environnement et dans quelles difficultés de l'environnement ils évoluaient aujourd'hui.